Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc toujours sur les parties absorptives, on avait parlé de la diffusion de Maison Pi sur des protons avec toutes sortes de résultats. Examinons la diffusion élastique de deux particules, un proton et un Maison Pi, vers l'avant, c'est-à-dire à angle nul où K égale K'. Dans ce cas, les états initial et final sont identiques, ils coïncident. Et un tel processus est décrit par l'amplitude MII. Puisque les deux états sont initial et final sont les mêmes. Pour laquelle la condition d'unitarité est de la forme du imaginaire MII zéro, il n'y a pas de carré, je vais chercher ça, MII zéro est égal à la somme sur N sur les états intermédiaires de MIN MIN astérisque fois 2 pi 4 fois delta P1 plus P2 moins Pn. C'est-à-dire somme sur N de MIN carré fois 2 pi 4 delta P1 plus P2 moins PM. MIN le carré est évidemment à l'extérieur de la valeur absolue du module. Alors montrons que le deuxième membre de cette égalité ne se distingue que par le facteur de la section efficace totale, sigma n, sigma t, qui est égal à la section efficace pour la diffusion 2 vers 2 particules, plus sigma 2 vers 3 particules, plus sigma 2 vers 4 particules, etc., etc., etc. De tous les processus de diffusion éventuels à partir de l'état initial qui est donné, I, jusqu'à l'état final F, à nombre de particules arbitraires M. En effet, après la sommation des probabilités de transition, des transitions données par TFI au carré, si on prend la formule pour cette expression et qu'on fait l'observation, on passe au système du centre de masse et on divise le résultat obtenu par le temps T et la densité de flux F0 et le facteur de flux des particules initiales et on trouve que sigma T est égal à 1 sur 2 P1 0, P2 0, F0 fois somme sur N des M I N carré fois 2 pi 4 delta P1 plus P2 moins Pn. Quand on compare les deux expressions et compte tenu du facteur de normalisation, on a alors que imaginaire, partie imaginaire
de MII 0 est égal à 2F0 E1 E2 fois sigma t. Si on y porte la formule de F0, donc du facteur de flux, on obtient alors que c'est égal à 2K fois W fois sigma T. Où K, ici, est le module d'impulsion de la particule incidente dans le système du centre de masse. Alors, compte tenu du couplage des amplitudes M et F, qu'on avait déjà vu, on obtient que, imaginaire F0, est égal à K sur 4 pi sigma t. Les relations rendent donc clair que la partie imaginaire de l'amplitude de la diffusion élastique vers l'avant est proportionnelle à la section efficace totale. C'est là l'énoncé du théorème optique. On voit aussi en mécanique quantique traditionnelle. Dans le cas général, il est commode de caractériser l'état des particules à l'aide de la matrice densité. Dans les cas des particules polarisées, le premier membre de cette relation se met sous la forme imaginaire F0 est égal à imaginaire phi croix F phi phi initial phi I égal en développant imaginaire phi i n croix f n i i n le n en dessous n qui est égal à imaginaire en regroupant simplement hein, phi m y croix phi m i f m égal à imaginaire partie imaginaire de la trace de rho f. Et donc la relation serait écrite que si imaginaire de trace de rho F égale K sur 4 pi sigma T. Où ρ est la matrice densité du système. Alors, si on somme les deux membres sur les projections des spins, on obtient que imaginaire trace
de lambda F0 est égal à K sur 4pi sigma 0t. Où sigma 0t est la section efficace totale de la diffusion des particules non polarisées. Dans le cas des baryons, l'opérateur lambda a déjà été défini et il est important de souligner que ces dernières relations sont vraies aussi bien dans le système du centre de masse que dans le système du laboratoire, K traduit respectivement l'impulsion de la particule incidente dans l'un de ces systèmes. Donc voilà ce qu'on tire de l'unitarité. C'est déjà pas si mal. Hein, on a des expressions des parties absorties, même si encore des inconnues, hein, les M, I, N, etc. Et nous allons passer maintenant à l'autre volet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'analysité. Je vous remercie.